Le théâtre. Pourquoi ? Parce qu'on en fait tous les deux depuis très longtemps. Et donc on va présenter une scène. Exactement, une scène du malade imaginaire. C'est une pièce qu'on aime beaucoup, donc on va avoir plaisir à vous la présenter. Pour le grand jour, le décor, ça sera quoi ? Une table. Et un fauteuil. Voilà, c'est tout. Et le reste, ouais. Tout dépend de vous. C'est ça. C'est ça. Parlez-nous en fait de ce passage que vous avez choisi de Molière. Cette scène, particulièrement parce que le duo Toinette-Argan est... Enfin... C'est le chat et la souris. C'est assez particulière, voilà, surtout c'est... d'une servante avec son maître, les oui, deux personnages ça, voilà. Qui se querellent souvent. Tout le temps. Et c'est, je pense, une scène assez comique qu'on a choisie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le théâtre qui fait que du coup c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement ? Bah moi, ce que j'aime bien en fait, c'est que quand, enfin, on est sur scène, on a vraiment un contact, je trouve, avec le public. Moi, d'un point de vue jeu, j'aime bien incarner un personnage. Me plonger dans quelqu'un, essayer de comprendre ses réactions. Pour travailler en fait ces personnages, comment vous vous entraînez ? Trouver sa psychologie, enfin, sa manière de fonctionner, de penser, pour, parce que c'est plus du tout nous en fait, c'est, on incarne quelqu'un d'autre. Donc, mais on va quand même mettre une petite touche de notre personnalité à l'intérieur, dans notre personnage. Comment tu sais que c'est juste ? En soi, on sait jamais nous si c'est juste. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir un troisième œil. Par exemple, pour notre scène à deux, d'avoir un avis extérieur. Compliqué. D'un metteur en scène à l'autre, d'un comédien à l'autre, des fois même sur le même metteur en scène, le jeu est différent et il n'est pas pour autant l'un mauvais, l'autre juste. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, le théâtre, dans votre vie ? Je me rends compte que depuis quelques années maintenant, vraiment le théâtre, c'est ma bulle, c'est mon espace, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Il y a vraiment une idée à la fois de travail, mais de divertissement. On s'amuse, c'est un lieu de décompression, mais c'est vraiment un lieu sans prise de tête, qui me prend mon samedi après-midi, qui est tranquille, qui me fait décompresser un petit peu.